bonjour à tous. Aujourd'hui 5 décembre, le salon Paysalia ouvrait ses portes. Hier soir, la soirée a été longue pour nos jardiniers compétiteurs. Après 4 jours de pression, de doute et de labeur, tous ont livré dans les temps leur jardin. Je vous propose une visite guidée de chacun de ces jardins. Dans cette édition de Qui sera maître jardinier 2017, découvrons aux côtés de Étienne Bourdon son jardin, vivre heureux avec Alzheimer. Ce jardin, il a été conçu avec un objectif, c'est de pouvoir prendre en charge les problèmes de santé de personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, mais aussi finalement tous les publics qui seraient amenés à les accompagner quand ils sont dans une institution médico-sociale comme les EHPAD, etc. Alors, la première étape, c'est de créer un jardin qui soit relativement ouvert, de manière à ce qu'il constitue une invitation permanente pour des personnes qui se trouvent à l'intérieur, qu'en voyant le jardin, elles aient l'envie de sortir et d'aller au jardin. Et ensuite, d'avoir toute une démarche de bienveillance architecturale dans le jardin qui se fait aussi bien par les formes que par les couleurs et la répartition de ces formes et ces couleurs. On a par exemple ici un espace qui est clairement différencié avec une couleur rouge, succédant derrière un feuillage beaucoup plus jaune avec une dominante de jaune. Là-bas, c'est d'une dominante de vert et de gris qui se lisse après dans les stries du feuillage et les hauteurs et les profils. Et là-bas, on a des colorations plus bleues. Cette différence-là, elle est importante parce qu'elle permet un repérage spatial des personnes qui, justement, ont notamment une faculté à être désorientées. La troisième dimension de ce jardin, c'est de l'avoir travaillé sur l'amplification de la stimulation sensorielle. On a travaillé là-dessus d'ailleurs avec des simulateurs de vieillissement. On s'est équipé avec des lunettes, avec des bouchons d'oreilles, des simulations de situation d'arthrose, et pour arriver à voir ce que l'on verrait dans le jardin si on avait une rétinopathie, des MLA, des problèmes auditifs, gustatifs, etc. Et ça nous a donné une vision complètement différente de ce que d'autres voient, perçoivent à l'intérieur du jardin, et ça nous a obligés à revoir un petit peu toute cette dimension sensorielle que l'on fait habituellement dans un jardin en se disant tout le monde le perçoit. Et enfin, dernièrement, en travaillant sur des objectifs soit de troubles cognitifs, soit de troubles du comportement, soit d'autonomie fonctionnelle par exemple, on a aménagé un certain nombre d'ateliers. Alors on a celui qui est là-bas par exemple, qui a été conçu, qui a été validé à travers des études sur les troubles du comportement, sur les troubles du sommeil, sur les problèmes d'agressivité, d'anxiété, de stress que peuvent ressentir des personnes qui sont atteintes de cette forme de démence. On a également un atelier là-bas, enfin c'est un aménagement avec une pyramide translucide qui joue avec les rayons du soleil, avec des spectres diffractent la lumière et qui permettent de créer une relation entre le végétal et la personne qui est et la lumière qui permet de réapprovisionner sa propre image en présence du végétal, en présence de l'environnement du jardin. Donc voilà, il y a tous ces petits éléments que vous pourrez découvrir dans le jardin, que ce soit le cadran solaire, que ce soit ces instruments de musique qui sont évidemment sur le plan sensoriel, mais aussi dans la praxie de la musique qui sont une dimension cognitive de l'exercice, d'une mélodie. Il y a également une pyramide là-bas dans laquelle les personnes peuvent parcourir de manière décroissante la sensation de l'odeur, du toucher, etc. Donc voilà un petit peu comment est fait ce jardin. C'est à différents endroits, un petit peu au rythme de la découverte, sur un jardin ici qui fait 150 mètres carrés, avec 78 essences différentes de vivaces, donc une grande palette végétale, aussi une grande palette d'arbustes, une occasion de faire un parcours, alors qu'ici relativement réduit, mais qui dans certains espaces de 500 ou 2000 mètres carrés sont déjà un long parcours pour des personnes qui ont une faible autonomie. Je suis médecin, je suis gériatre et je m'occupe de personnes très âgées, et j'étais très très intéressé par la démarche du jardin thérapeutique, parce que réellement nous savons maintenant de mieux en mieux que l'environnement peut avoir des effets positifs pour la santé des patients. Et personnellement, je suis très attentif à ces démarches pour offrir aussi aux patients, complément des soins classiques, des espaces agréables, stimulants,
où ils peuvent retrouver des sensations, je dirais, de nature, de contact avec les végétaux, aussi des jeux, des activités intéressantes qui les sortent de l'espace de soins où ils sont durant toute la journée. J'ai eu la chance de travailler avec M. Bourdon dans le cadre de son master et on a fait une étude extrêmement intéressante qui confirme un peu cette impression que le fait de donner accès à des jardins bien conçus pour la stimulation, le bien-être et les activités cognitives, puisque c'est de ça dont on parle, ça a des effets positifs pour la santé des patients et notamment des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Nous, à Obicampi, notre objectif, c'est justement d'objectiver l'impact positif du jardin sur la santé. Merci d'avoir suivi cette édition. N'oubliez pas de vous abonner à Aloé TV, la web TV Jardin. Rendez-vous dans une prochaine édition à la découverte du jardin de Alban de la Tour, Liberté.